J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog. Donc, les derniers jours, il faisait super chaud. Il faisait environ 40-41 degrés à Pékin. Donc, je sortais pas beaucoup. J'avais un peu de travail quand je suis là. Et aujourd'hui, je me suis dit, vas-y. Aujourd'hui, il fait pas aussi chaud. Genre, quand même sera, non, mais pas aussi chaud. Donc, il fait environ 33 degrés. En 3, ça va. Comme d'habitude, vous allez découvrir un peu Pékin. Et puis voilà quoi. On va s'amuser. Let's go! Se balader dans les rues de Pékin. Je suis déjà venue là. Je ne sais pas si vous vous rappelez du vlog, mon deuxième vlog sur ma chaîne. Quand on y va. Et j'ai filmé là. Voilà, là, je parle de tout le monde qui prend des photos, non? Qu'adam had building. La dernière fois, on a had building. Mais cette fois-ci, c'est pas la fin. Si vous voulez voir comment il y a à l'intérieur, vous pouvez voir mon vlog, le deuxième vlog sur ma chaîne. Ça s'appelle Kulo. On a acheté un Starbucks pour se rafraîchir. Et on est là, on a Karine pour les bateaux. L'hiver il fait du skate et on était genre il y a ça les bateaux et tout. Et les fleurs sont connues là en Chine, ça s'appelle water lily normalement en anglais. En français je sais pas, aucune idée. C'est super beau. Donc j'ai pris quelques photos là, si vous voulez voir vous pouvez aller sur mon Instagram. Là, normalement c'est la rentrée, on a mis là pour une belle hira. Mais en fait, là, c'est la rentrée. Donc, on est passé à Agdam et on va repasser de l'autre côté. Le soir aussi, c'est beau, Naya. Les bateaux Agda traditionnels que vous pouvez faire un tour avec. Naya va acheter le billet ou que le courant. On a quand même des petits restaurants, c'est cool. On a tout au long de la roulette quand même des petits restaurants. Après, il y a des gens qui chantent à l'intérieur, je sais pas si vous pouvez voir. Donc le soir, on peut se manger, non? Là, j'ai, voilà, tout autour, on a quand même des restaurants. Hey, tataha, j'espère que vous allez bien. Sahaïtkom, l'yuma c'est l'aïd, l'aïd kibir. Donc, je vous dis sahaïtkom. Inch'Allah, vous êtes tous l'aïd, b'khir wa l'akhir. Rabbi, t'qbelkom, otahiyatkom. Comme d'habitude, n'a qu'à l'aïd. Donc, on va, je sais pas, je vais faire peut-être un peu de shopping. Et après, j'ai réservé pour manger dans un restaurant, une idée de l'ham et tout. Quand même, l'aide son ham n'a chier, c'est toi qui bien. Donc, vas-y, bon, on va aller voir. Let's go! Voilà, on est arrivé dans un grand mall. Il est super grand. Apparemment, je suis déjà passé par là, mais jamais trelt. Genre, jamais trelt le dachel. Donc, on va voir où je suis. Voilà, on est dans le mall. Il est tellement chaud, le wahdi qa'ad dakhl le mall khair. On va prendre quelques desserts parce que nous avons un jour en fait. Donc, on va faire le tahwa. Regardez le croissant. Quelqu'un dit des gâteaux. Comme ça, c'est spécial. Voilà, les bassins sont arrivés. C'est trop bon, welcome. C'est la première fois Yannine. Moi, je trouve de la marque Butterfull. Toujours, je trouve un chedin à Tsashi, mais c'est la première fois que je goûte et c'est super bon.
monte en haut, on va voir qu'est-ce qu'il y a. C'est super grand règlement. Regardez combien d'étages qu'il y a. 11 étages apparemment. On va aller jouer un peu. On a qu'à une couleur. Il y a un cinéma. On va aller jouer un peu. Il y a des restaurants. Là, c'est un super gros mall en tous les cas. Let's go! Il y a des jeux. Donc, tu joues avec une carte, tu as un mal. Après, pour jouer, il faut à chaque fois choisir. Genre, à chaque fois, tu mets la carte pour jouer. Donc, on va jouer un peu. Ça fait longtemps que je suis là, non? Dès que tu vas à peu près jusqu'à une des jeux. Il y a des jeux avec des matières à 4, ça va. En plus halal, alors je pense peut-être c'est le vrai, je sais pas, c'est trop mignon. Voilà, on est venu dans un autre mall, donc on est venu dans un autre mall, parce que nous avons des restaurants comme brésilien, donc j'ai là. Oh, robe de mariée, c'est beau. Là, des fois, à chaque fois que je suis là, on a des expos là-dedans, pour les déros des petits dessins. Des fois c'est art plastique, des fois t'as printing. Kimarada c'est l'art plastique. Bon, c'est un mélange de l'art plastique avec peut-être un peu de printing. Voilà. Après, je pense c'est plus des enfants les deux, les dessins. Voilà le restaurant, il s'appelle Latina. Faut réserver pour venir. Allez, on va voir. Voilà, donc c'est un buffet. Donc il y a des fromages, des viandes, des salades, des vegetables. Genre, c'est vraiment intéressant. Il y a un peu de tout. Donc moi je viens souvent quand il y a des fêtes ou là cache événement parce que c'est quand même un peu cher mais c'est intéressant. Voilà la mara. Après il y a de la viande bien sûr. Voilà à l'intérieur c'est comment. Voilà du bonna hakda le ham. En fait il du bonna tel tabla il t'a ulna ou il t'a. C'est vraiment bien. Il y a un peu de salade et tout. Pour le moment, je vais toujours le racheter. Mais après, vous allez voir le racheter. Surtout pour les. Après, ma commune n'a là, on est venu là pour jouer un peu. On a un endroit pour billard. On vient d'habitude. Il n'est pas loin, oui. Voilà, on a le jour de la famille, des amis.
Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. On roule comme ça, comme encore une fois, ou la roue à la main. Bye bye, tiens.